Ses souvenirs vis-à-vis des premiers jeux qu'il a fait ou qu'il a créé Oui, dans ses premiers pas dans le jeu vidéo, quels sont ses souvenirs en tant que créateurApple 2っていう、ま、あのハードウェアを最初触ったのが最初で、まあ、ただ当時すごく高くて買えなかったので秋葉原にある、まあ、偽物の基板を買ってきて自分で IC を組み立ててその、まあ、偽物の Apple 2を作るとこからスタートして、でただそのここでそのウィザードリーとかアルティマ2とかっていうゲームと出会って、まあ、ものすごいカルチャーショックで、あのそこは僕のゲームの関わった始まりですね。で自分がこのプロになった最初の時の思い出って、ああそっから、はい、あのそれでそのウィザードリーとかウルティマをなんていうかな、ちょっとこうチートしたくてハッキングしたんですハッキングしてデータを全部自分で作り変えてすごくキャラクター強くしたりしてて、そしたらなんていうかな、ゲームがどういう風に動いてるかっていうのをだいぶそこでハッキングしてるうちに勉強になったんですね。でこれなら自分でも作れるかなっていうので、はい、あの1作目デストラップっていうゲームなんですけど、それを作ることになりました。デストラップ、トラップ、トラップ。En fait, il a commencé en fait par avoir un Apple II à l'époque, donc il avait une vingtaine d'années. Alors, bon, sachant qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'en acheter en vrai, du coup, il a acheté des trucs à Akihabara, il s'est monté lui-même son Apple II un peu piraté. Et il a joué au jeu Wizardry Ultima 2, et ça a été un choc culturel à ce moment-là quand il a commencé. Puis il s'est dit, bon, bah, je vais essayer de hacker un peu, je vais rendre mes personnages un peu plus forts. Donc il a commencé à hacker dans Wizardry pour mettre ses personnages plus forts, et ça lui a appris beaucoup de choses, comment fonctionne un jeu vidéo. Et il s'est dit, mais je pourrais peut-être moi aussi créer des jeux vidéo. Et du coup, suite à ça, il a commencé à créer Death Trap, son premier jeu. D'accord, merci beaucoup. Vous avez créé Final Fantasy sur la Famicom en 1987. Est-ce que vous auriez pu imaginer le succès colossal et que en 2023 on soit à l'aube d'un 16e épisode et que cette série est un aura qu'elle a aujourd'hui en fait? 最初の Final Fantasy はファミコンで1987年に出したんですけれど、ここまで有名になって今の2023年にもう16年後がもうそろそろ出るという感じな、すごく大きいシリーズになると思ったんですか、その時？あれはまあもちろん思ってなくて、ただこの前ファイナルファンタジー3のインタビュー記事を、まあ、読む機会があって、あの人に見せられて、でその頃僕が言ってたのは、まあそこまで大きくなるかわからないけど、ただやっぱ10年後にそのファイナルファンタジーっていうのが名前が残ってるようにしたいみたいな、まあだからなるべくその続けてはいきたいっていうようなことは言ってたんで、うん、まあそういう意味じゃ3ぐらいの頃から何だろう、10年後ぐらいまでは考えてたんだと思います。Alors au tout début, pour les premiers et le deuxième, on ne pensait pas du tout hein, que ça serait à ce point-là aussi grand. En revanche, on m'a montré une ancienne interview de moi-même quand le 3 est sorti. Et quand je l'ai lu, en fait, j'ai vu que j'ai dit que j'espérais, je ne savais pas si ça allait avoir un énorme succès, mais que j'espérais que le nom soit encore connu 15 ans plus tard. Donc bon, au moment du 3, j'avais déjà un petit espoir que ça persiste dans ce genre. D'accord. Et quelles ont été les idées de base en fait, pour créer Final Fantasy Est-ce qu'il avait une idée particulière pour la création de ce jeu? Pour le premier? Oui, pour le premier. Final Fantasy, le premier jeu de game, au début, c'était quelle idée? Comment a-t-il commencé? Comment a-t-il commencé? Bah, 基本はその前に PC で実はその僕たちのチームは RPG を作っていて、その RPG 自体はもうなんていうか作れるし作りたい方向は決まってたんですけど、ただファミコンっていうのはロムカセットがすごく容量が小さいんですよね。だから RPG っていうのは無理だろうと、そのまあ何十時間も遊ぶようなこうゲームなんでデータがすごく必要だからと思っていたところにドラゴンクエストが出て、あれはまあものすごくよくできてて、そういう小さいロムカセットでも RPG は作れるんだっていうことを僕たちに示してくれて、まあちょっと目が覚めた感じですね。だからその昔 PC でやってたことを、あ僕たちもファミコンでもできるんだっていうのに気づいて作ったのがファイナルファンタジー。
Donc en fait, à l'origine, nous, on travaillait sur une équipe sur PC, en fait, on créait un RPG et tout ça, donc sur son ordinateur. Puis on se disait que dans une petite cartouche de Nintendo, c'est compliqué de faire entrer un RPG parce qu'il faut jouer plusieurs dizaines d'heures, il y a beaucoup besoin de données, donc à un moment, on ne voulait pas le faire. Et à ce moment-là, il y a Dragon Quest qui est sorti, et on a réalisé, mais en fait, c'est possible, on peut faire un RPG malgré tout sur ce genre de cartouche. Du coup, on a commencé à travailler sur le projet Final Fantasy. Quelle est pour lui la scène la plus marquante des jeux Final Fantasy sur lesquels il a bossé ? Jibun ga hatarayete ta Final Fantasy game no naka de wa ichiban yume na shin wa nan da to omimasu ka ? Ah, Final Fantasy no naka de do da opera za janai no kana ? L'opéra ? Final Fantasy 6 ? Roku ? Ah, Roku da ne, so da ne. D'accord, c'est très 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 bien. Il y a un épisode qui est très particulier, c'est Final Fantasy VII qui a eu le droit à un remake. D'après lui, qu'est-ce qui le rend aussi spécial dans la saga Final Fantasy ? Final Fantasy 7 は本当に特別、Final Fantasy の中に特別になってて、今リメイクされるんですけども、どうしてこのゲームが特別になってるんですか？思いますか？まあもちろんその 3DCG を使ったっていうところが、まああの時代で。RPG を CG で作ろうとした人は、まあ、いなかったので、まあ、ものすごく大変、逆にその分すごく大変でしたけど、やっぱりそうやって先駆者っていうか一番最初に CG を使うみたいなことをやればやっぱり、ね、それは画期的なものになるから、まあ、それをセブンはできたっていうのは、はい、まあ、本当に。まあ、幸運もあったけど、まあ、スタッフ全員頑張ったなっていうふうに思いますけど。À mon avis, c'est le côté en fait d'effets spéciaux en 3D qui a fait la différence. Donc, faire un RPG avec de la 3D, c'était la première fois à l'époque. Alors, ça a été très très difficile pour l'équipe de faire comme ça un résultat de ce genre, mais on savait que ça rendrait quelque chose de particulier, en tout cas, que ça rendrait quelque chose de particulier à ce jeu. Et du coup, c'est à mon avis la raison.Et est-ce qu'il a joué au remake? Est-ce qu'il en pense quelque chose? Remake はそうなんですか？どう思いますか？ああ、まああのあれは北瀬がやっていて、僕が辞めるときやっぱり北瀬に全部ファイナルファンタジーを継いでほしかった人間だし、まあ、あと北瀬っていうのはもともと映画をこう目指しているような人で、まあ、そういう映像の才能を持ってるので。それがそのもちろんファイナルファンタジー6から彼は入ったんですけど、ファイナルファンタジーのその演出の良さにつながってるんだけど、まあ、ようやくここに来てハードウェアの進化があって、まあ、本当にこう映画みたいなゲームをやっと作れるようになったじゃないですか。だからやっぱり北瀬の才能がようやくこうマキシマムで活かせるようなことになってきたので、まあ、まあまあぜひ頑張ってほしいし、まあ、ものすごく美しいゲームに仕上がってると思うので、はい、すごく拍手したい気持ちで、はい、応援してます。 Donc en fait c'est Kitase qui s'occupe de ce jeu là et lui il a fait des études dans le film, dans le cinéma, donc c'était à la base ce qu'il voulait faire, et il travaille sur les jeux Final Fantasy depuis le 6, donc il connaît très bien la franchise. Et mais aujourd'hui tout le hardware a évolué, on a une qualité maintenant, on peut en effet avoir un rendu comme un film, bien sûr. Donc je crois 100% en son talent de faire un jeu, de faire de son mieux et faire un très bon jeu. Et moi Walidi ça l'était bien. Moi ça l'était bien. Mais moi il y a game mais j'ai pas fait. Ah j'ai fait. Oui, j'ai fait. Donc il y a en effet joué et en effet il pense que c'est vraiment très bien de faire mon travail dessus. D'accord. Il a fait aussi beaucoup de choses en dehors de Final Fantasy. Est-ce qu'il y a une œuvre hors Final Fantasy qui lui tient particulièrement à cœur, sur lequel il travaille ? 自分が働いたゲームの中で Final Fantasy 以外に好きなゲームはありますか？何ですか？自分が作ったゲーム。やっぱりクロノトリガーが一番思い出が深いですかね。このトリガーは celui sur lequel la plus de souvenirs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo change beaucoup, est en constante évolution avec la réalité virtuelle, le mobile, etc. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de l'industrie du jeu vidéo ? Est-ce que ça lui plaît ? Est-ce qu'il est encore entre guillemets excité pour utiliser ces nouvelles technologies pour aller plus loin dans sa créativité ? ビデオゲームは現在は、まあ、結構進化されてるで、VR だったり、モバイルゲームとかもいろいろあります。自分も今でもそういうゲームが好きですかとか、こういういろんな技術を使いたいと思うんですか？ああ、そうですね。まあ、ファンタジアンっていうモバイルでゲームも作ったし、まあ、それも
ジオラマを使ったりしてやっぱりちょっと見たこともない絵にしたいっていう気持ちもありましたし、まあ、あと VR とか AR とかではもちろん自分では作ってないですけど、やっぱりそういう新しい技術では多分新しいアイデアで見たこともないようなものが作れるはずなんで、ね、もしアイデアが浮かんだらぜひなんか作ってみたいし、もう浮かばなくても誰かが多分作った素晴らしいものが来るから、まあ、それは楽しみたいです。En ce qui concerne les jeux mobiles, j'en ai déjà fait un qui s'appelle Fantasian, donc, qui utilise des dioramas. Donc, j'ai essayé de trouver, faire quelque chose de nouveau au niveau visuel. Concernant la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, je n'ai pas encore utilisé, mais je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles idées qui vont ressortir, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, et qu'il va y avoir de belles choses qui vont sortir dans le futur. Si j'ai une idée, je ferai quelque chose. Ça sera bon de finir. D'accord. Dernière question très rapide. Est-ce qu'il a joué récemment ? Quel jeu récent lui a plu最近に何か面白かったゲームとかあるんですか？あ、もう僕が毎日 FF14 やってるので。僕は FF14 とりじょ。だから。いや、エブリデイ。まあ、やっぱり MMORPG は面白いですね。MMORPG、j'aime bien。いやいや。ça plaira à notre ami Saïs qu'on salue. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. And thanks for all you've done in the video game. Thank you. Thank you so much.